durée de l'expulsion ou de la naissance est très rapide par rapport à toute la durée du travail. Il va falloir compter environ une demi-heure pour que ce bébé soit dehors, à condition que les efforts de pousser soient efficaces. Il va falloir pousser environ, allez, une trentaine de fois pour que le bébé soit dehors. On va pousser en même temps, vous allez pousser en même temps que vous avez des contractions. Les contractions, c'est le moteur et vous allez pousser par-dessus ces contractions. Donc forcément, ça va aider votre bébé à descendre.